Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'achats que j'ai fait sur AliExpress et notamment des perruques. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais filmer plusieurs vidéos à la suite que je viendrai ensuite mettre sur YouTube. Donc ne vous étonnez pas si j'ai les mêmes fringues. Évidemment, c'est parce que je tourne en même temps pour un côté pratique. Parce que comme je n'ai pas une pièce spécialement dédiée à la vidéo, je suis obligée de monter et de démonter les éclairages. Donc quand c'est comme ça, j'en profite pour faire plusieurs vidéos d'une traite. Donc comme je vous disais, on va parler perruques. Et je vous avais promis de faire des vidéos à chaque fois que je commande une perruque, donc à la réception, pour vous montrer si ça ressemble à ce que j'ai commandé ou pas. Et éventuellement, je ferai les petites corrections nécessaires pour essayer d'améliorer la perruque. Donc aujourd'hui, on va parler d'une perruque que j'ai eu hâte de recevoir, qui a mis presque un mois à arriver. Comme je vous disais, je l'ai commandée sur AliExpress. Alors, le nom du vendeur s'appelle E-Wings, E-Official Store, donc je vais vous mettre de toute façon les informations juste là, ici en bas. Alors, cette perruque, elle m'a coûté 33,75€. Elle mesure 26 inches de long. Elle est de couleur violette. Donc c'est celle-ci. Et je vais vous montrer l'affiche directement sur AliExpress. Évidemment, sur AliExpress, les prix varient d'un jour à l'autre. Donc là, elle est un petit peu plus chère. Elle est à 35,87€. Aujourd'hui, vous avez les avis. Si vous regardez les avis, je suis également ici. Donc j'ai donné mon avis sur la page, donc vous pourrez me retrouver plus facilement. Donc ils sont quand même bien cotés, donc 96% d'avis positifs. Je trouve ça plutôt pas mal. Une trentaine d'euros pour une lace-fronte, c'est quand même relativement peu. Donc je vais vous montrer à l'intérieur de la perruque. Donc vous avez des petites pinces ici. Les petits peignes qui vont vous permettre de bien maintenir la perruque en place. Et puis ici, vous avez le lace-fronte, donc avec le tulle juste là. J'ai déjà coupé le tulle, et alors franchement, je trouve que il y a énormément de cheveux sur cette perruque, je suis vraiment pas déçue. Il y a du volume, les boucles sont belles. Franchement, bah, évidemment, c'est de la fibre synthétique, donc ça s'en mêle. Mais un petit coup de brosse et tout de suite, ça repart, ça se reboucle. Honnêtement, j'aime beaucoup cette perruque. J'ai été très très agréablement surprise. Alors, je l'ai portée aussi pour des shootings, donc je vais vous mettre les photos juste là pour que vous puissiez voir par vous-même. Comme vous pouvez le voir, donc ici, je trouve que c'est quand même relativement bien fait au niveau de l'implantation. Là, par contre, elle est vraiment brute, en fait. C'est-à-dire que quand vous recevez la perruque, vous la recevez comme ça. Je n'ai rien fait du tout. Je ne l'ai pas coupée, je ne l'ai pas désépaissie, je ne l'ai pas recoiffée, rien. Je la trouvais vraiment très très belle comme elle était. Donc, si vous êtes débutante, si vous voulez une perruque qui est déjà toute prête, toute faite, je vous conseille celle-ci. Je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous la recommande, hein, vraiment. Je pense que c'est... Celle-ci est un bon achat. Alors sur le site, chez le vendeur, vous avez différentes perruques. La qualité de la fibre est très très bien. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné l'envie d'acheter cette perruque, si vous l'avez trouvée chouette, si vous envisagez de l'acheter dans les prochains mois qui viennent. Voilà, cette vidéo était courte, mais c'était vraiment uniquement fait pour vous présenter cette perruque. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît aussi, tous ces hauls de perruques. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et surtout, surtout, abonnez-vous à ma chaîne puisqu'il y a encore deux vidéos à venir avec des perruques. Voilà, j'espère que cette review vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine revue perruque. Et je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut !